Ça y est. Nous y sommes vraiment. Mara ? Je ne détecte rien. Aucun signal radio venant du système solaire. Zavala, Ikora, vous nous recevez ? Rien. Il n'y a plus que nous. Je ressens la lumière. Elle est partout. Dans l'herbe. Dans l'air. Je n'imaginais pas le cœur du voyageur comme ça. Mais il est... magnifique, n'est-ce pas ? Et si familier. C'est la même architecture que celle de la cité. Serviteur du témoin. Probablement ce qu'il reste d'une espèce vaincue. Les ténèbres se mêlent à proximité et forment une source. On peut l'utiliser. Ils sont vulnérables. Notre pouvoir les a brisés.
C'était l'ancien centre de contrôle de l'avant-garde. Mais il est différent. Lumière et ténèbres s'accumulent ici. Plus que je ne l'ai jamais senti.
C'est comme si... vous pouviez tendre la main et saisir ce pouvoir. Le contrôler. Pouvez-vous le faire ? La lumière et les ténèbres, ni plus. Elle a disparu. Gardien, vous avez fusionné lumière et ténèbres en une parfaite harmonie. Comment ? On peut utiliser ça. Nous n'avons jamais été aussi forts. Nous pouvons en faire usage. Allons-y. Le signal du transpondeur n'est pas loin. Le signal provient... d'ici. Attendez. Il y a quelque chose. Gardien, attention! C'était intense. J'ai besoin de vous. Le voyageur. Il souffre. Je ressens ça.
Merci. Bon, et maintenant, nous sommes surclassés, seuls, et c'est quoi ce bruit ? On dirait que ça vient de là-bas. Va falloir changer de botte, Corbeau. Je t'ai entendu venir de loin. Uldren, par contre, lui, il savait être discret. Tu n'es pas le Corbeau. Eh ben ça, quelle surprise. Cade ? Ça fait combien de temps ? Une éternité. Il paraît que d'autres porte-flingues sont en route, que l'avant-garde envoie ses meilleures troupes. C'est super de vous voir ici. J'ai enfin quelqu'un avec qui parler de la coifferie Diane du Corbeau. Venez, vous devez avoir plein de questions. Je ne sais pas si j'ai les réponses, mais parlons. J'aime bien la coiffure du corbeau. Bon, par où commencer? Je suis mort. Vous devez vous en souvenir. Pas top. Un peu de ma faute. Le sang retenu. Passons. Et ensuite, rien du tout. Mais pas un mauvais rien, un rien paisible. Je crois que je l'ai senti. Ma spectre, Sundance. Elle faisait partie de moi, ou moi d'elle. Comme deux cartes qu'on remet dans un paquet, on reformait un tout. Et il y a eu la douleur, la séparation, quelque chose m'arrachait. Je me suis réveillé ici, dans ce corps, seul, sans spectre, sans lumière à utiliser. Et pour rendre ça encore plus traumatisant, je suis tombé sur mon meurtrier qui m'attendait. Mais on s'est dit les choses en face, comme des adultes. Il a l'air plus sympa ces jours-ci. En même temps, c'est pas difficile. Mais on a d'autres problèmes. Plus gros et plus épineux. Le corbeau a dit que tout ça était dans le voyageur, mais je le savais déjà. Il souffre. Je ressens sa douleur. Il y a quelqu'un dans ce monolithe avec un couteau à la main. Le corbeau l'appelle le témoin. Et ce qu'il fait là, ça porte un nom. La forme finale. La fin de toute chose. Alors je me dis, autant essayer de l'arrêter.